Astaban, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. De sorte que vous ne sauriez rentrer chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, et je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête et... Attendez. Non, ce n'est rien, Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de ma peine? J'en imagine bien un, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Eh bien, Scapin, montre-moi au serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. J'en serai avec mon cher, je t'assure, de cet habit-ci. Quand il en sera un peu léger. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous... Et que vous vous mettiez bien au fond. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. J'ai dit que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne vous point montrer, de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laissez-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Viens dans les bois d'avantage, t'es tué, c'est Jolande. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas. Ah, que des dix, je le troublerai. Se cache-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh, le Mossac! Monseigneur? Il y a des maillards, oui, et monseigneur veut être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, Mordi, je les cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. J'ai peu qu'à Tétis les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est point homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fanny Géronte? C'est Marot? C'est Bélitre? Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fanny ni Marot ni Bélitre, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites avant avec cette tenture? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Oh, qu'à Tétis! J'ai des ses amis! À la bonne nuit! Tiens, voilà ce que je m'aille pour lui! Ah! Ah! Ah, monsieur! Ah! Ah! Ah, tout le monde! Ah! Va! Porte la soudaine à part! Adieu, ça! Ah! Diable sur les gascons! Ah! Ah, ce qu'il y a pas! Je n'en peux plus! Ah, monsieur, je suis tout moulu, les épaules me font un mal épouvantable! Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé! Nenni, monsieur, c'est sur mon dos qu'il frappait! Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et je les sens bien encore! Non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules! Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner! Cachez-vous! En voici un autre qui a la mine d'un étranger! Parti! Moi courir comme une pasque et ne pouvoir trop faire toujours tes diables de Géronte! Cachez-vous bien. Dites-moi un peu, fou, Sir l'homme, vous pouvez savoir où il est, c'est Géronte que moi cherchais? Je ne sais point où est Géronte, monsieur. Dites-le-moi franchement, moi, il ne faut pas grand-chose à lui. Laissez-moi pour lui tonnerre une petite régale sur le dos d'une douzaine de coups de baston et de trois ou quatre du coup d'épée en travers de sa poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais point où il est. Il me semble que je vois muer quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a assurément quelques histoires là-dedans. Pas du tout, monsieur. Moi, avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-moi un peu fou ce que c'est là. Tout beau, monsieur. Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, le vouloir voir, moi. Vous ne le verrez point. Que de bonimentes! Ce sont hardes qui m'appartiennent! Montre-moi fou, te dis-je! Je n'en ferai rien. Ah, toi ne fais rien? Non. Moi, veillez de ce bâton dessus les épaules de toi! Faites tout ce qu'il vous plaira! Ah! Juste au revoir! Laisse-moi une petite leçon pour lui apprendre à tout.
toi à parler à Salamante. Ah, peste soit du maragouineux. Ah. Ah, je suis roué. Ah, je suis mort. Pourquoi donc faut-il qu'il frappe sur mon dos? Cachez-vous. Voici une demi-douzaine de soldats tous ensemble. Allô, tâchons d'en trouver ce géronte. Cherchons partout. N'épargnons pas. Courons toute la ville, n'oublions aucun lieu. Furetons de tous les côtés, visitons tout. Par où irons-nous? Par là. Non, par ici. À gauche, à droite. Nenni. Si fait. Cachez-vous bien. Allons, camarades, voici son valet. Allons, coquin, il faut que nous enseignions et ton maître. Hé, messieurs, ne me... Doucement. Allons, coquin, dis-nous où il est. Parle. À tout toi, expédion, dépêche vite, tôt. Hé, messieurs, ne me maltraitez point. Si tu ne nous fais point tomber ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi le hanté de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Ah, tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu vas.